Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Skyrim. Nous sommes partis pour justement pourquoi. Donc on s'était quitté ici dans la vidéo précédente. On avait pas mal avancé sur la maison. On avait même pratiquement fini. J'avais dit qu'il fallait que je fasse le transfert en fait de tout ce que j'avais. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est pas pressé. J'ai pas besoin de tout transférer pour le moment. Je voulais voir en fait. Je me rappelle plus s'il y avait autant de bibliothèques que ça. On avait fait le tour de la maison, je rentrais 2 petites secondes histoire de faire le tour. Et il fallait, je sais pas si vous vous rappelez, mais au début des vidéos, j'avais Peut-être pas un commencé. trouble fête, j'espère. Que puis-je pour vous? Bon, ça, je vous avoue qu'il manque encore plein de trucs, au moins dans la première pièce. On va trouver tout ça. Si je passe pas à côté d'une scierie, j'irai prendre un peu de accessoires en acier. Bon, il me faut des lingots de fer et troncier. Voilà, et de la bande de cuir et de la paille. Écoute, on ira en ville, on ira chercher tout ça. Des bibliothèques, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors là, il n'y a pas full bibliothèque, d'accord. Est-ce qu'il y a des bibliothèques là? Non, évidemment, là, il n'y a pas. Ok. Là, il y a des bibliothèques ou pas? Là, il y a. C'est considéré comme une bibliothèque, ça? Non, c'est pas considéré comme une bibliothèque, d'accord. Ben merde, je crois que les amis, je vais être en manque de bibliothèques. Parce qu'en haut, là, il y en a des bibliothèques. Et encore même pas. Ah ben merde alors. Bon, ça c'est super bien pour faire de l'enchantement, je dis pas le contraire. Ah mais tiens, tant qu'on est là, je vais pouvoir vider. Putain, j'ai pas pensé à ça. Parce que vous savez, j'ai une. J'ai. Eh ben elles sont toutes mes gemmes. Elles sont où toutes mes gemmes? Attendez, là, il y a un truc qui me fait pas rigoler, là. Et je les avais toutes utilisées, mes gemmes? J'ai combien d'objets? 108? Qu'est-ce que... J'ai utilisé toutes mes gemmes d'enchantement... Enfin, toutes mes gemmes? Attends, j'ai un trou, là. Et j'ai un trou! J'ai un gros trou. Ou alors, c'est que je les ai mises... Bon, bref, je sais pas. On verra bien. Je ne sais plus où je vais... C'est pas grave, on va en retrouver des gemmes. Bon, bah écoutez, voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a très longtemps, parce que oui, je passe du coq à l'âne comme ça assez rapidement. On avait lancé la quête avec Fleurtide, vous vous rappelez? Qui était une quête en fait, technologie, les bienfaits de la nature. Donc il fallait prélever la sève du Primarbor. Et ça, j'avais envie de le faire, parce que c'est vrai que ça me saoulait d'avoir les attaques de vampires. Je veux juste voir où est le Primarbor, parce que je ne me rappelle plus trop. Là-bas. Ok, parfait. Allez, Foramol, tac. Et puis, le Primarbor, tranquillou. On va faire des quêtes annexes dans cette vidéo, je pense. Déjà, redonner sa splendeur au Primarbor. Oui, si, au Primarbor, ça sera déjà pas mal. Non, je dis n'importe quoi. Si, c'est ça, c'est Primarbor. Bah, je sais plus. C'est pas grave. Ouais, on verra. On verra, on verra. Alors, attendez. Le Vermidor, voilà, c'est ça. Pas le Primarbor. Le Primarbor, c'est là où on va. Bah écoutez. Pourquoi j'ai rien d'équipé? Là. Ah. Ouais, comme ça, cadeau, quoi. Prends-toi ça dans les miches et ça va te calmer. C'est un petit peu ça, quoi. Non mais il va se calmer lui Tu viens d'où toi? Où est-ce qu'il est? Bah à la limite ça me dérange pas qu'il soit... Eh, il a la rage le truc hein. Il a vraiment la rage le dragon. Oh 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 oh, il va se calmer là? Oh, je veux juste passer, je m'en ai rien à foutre de ta vie, hein! Oh, mais il commence déjà lui! Ah bah oui, bah rajoute en plus des mages, des machins, des trucs, des brôles. Ça va être la fête, dis donc! Ah, la petite abeille qui passe au bon moment! Hop!
Où est-ce qu'il est ce putain de dragon? Y a moyen qu'on évite de m'agresser, s'il vous plaît? Parce que bon... Ça me pose pas spécialement de problème, hein, mais... qu'on pose les limites directement, quoi. Parce que... Bon, apparemment, le dragon s'est tiré, maintenant, faut que je me fasse les deux machins. Ah ben non, il est là. Ah, ils l'ont tué. Ah ben merci, c'est sympa. Putain, mais y a moyen qu'on me foute deux secondes la paix, s'il vous plaît? Je veux juste passer. J'aurais peut-être pas dû m'attaquer, en fait, à... Alors, attendez, parce que là, ça me fatigue largement. Hop. What? Attends, t'es sérieux? Eh ben, ça va être bien être casse-couille cette vidéo. Ça commence à me faire chier là déjà. Ah, attendez, je prends un petit coup. Non, mais en même temps là, voilà. Oh, merde. Parce que le dragon, les triomancers. En fait, j'aurais pas dû m'attaquer aux triomancers, mais putain, mais j'ai plus de vigueur, j'ai plus rien. C'est quoi? Attendez, je vais regarder ce que je me suis équipé. Ça me paraît juste bizarre, en fait, de me faire défoncer si vite. Bon, après, c'est vrai que la magie, c'est moche. C'est très, très moche. C'est l'enfer, ce putain de truc. Alors, attendez. Tac, 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 tac. C'était où? Bien entendu, il n'y a plus le machin. Tac, on va refaire un meule. Voilà, on va la refaire. Il n'y a pas de souci. Ah, mais là, je suis sur le cul. Défoncé comme ça, mais là ça a été le bâton et la vaseline, quoi. Tu te dis, allez, hop. On rentre la moitié. Non, mais sans blague. Faudrait que je vire aussi. Attendez. Bon, je vais voir de quoi je suis équipé. Je vais d'abord me planquer. Parce que là, j'étais surpris par le dragon. Alors, le dragon. Est-ce que le dragon va revenir? J'en ai pas l'idée. Alors, attendez. Je suis équipé avec quoi, moi? Alors, je vais remettre les bottes d'ébonite. Voilà. Parce que les bottes d'écailles, on s'en balance un peu les cacahuètes. Pourtant, je suis équipé avec... je suis équipé avec tout normalement, quand même. Bon, j'en sais rien. Bon, évidemment, le dragon... Bon, passons ce petit intermède complètement casse-bonbon. Détecté par qui? Ah. Ok, donc on va recommencer. Non, finalement, on va recommencer. Ah, j'ai un compte à régler avec ce truc-là. Et c'est un dragon de feu, bien entendu. T'as pas envie de te barrer? Oh là, au moins taquiller les autres, comme ça sera plus facile pour moi. Ça serait pas mal, en fait, qu'il aille dans le fort. Apparemment, il s'est barré, tant mieux pour moi. Ok, bon, voilà, ça va mieux comme ça. Là j'ai été, mais... Alors déjà, cette attaque de dragon... Les dragons de feu, à la limite, c'est pas trop dérangeant, parce que ça, le feu, voilà, ça brûle. Ça, c'est la phrase logique. Mais la glace, ça te ruine tellement de vigueur. Tu peux plus bouger, t'es ralenti, t'es trop dans la merde. La glace, les dragons de glace, pour le moment, c'est vraiment les pires. Après, bon, ça ira, mais... C'est vrai que les dragons de glace, c'est bien bon, casse-bonbon. Franchement, j'ai rien trouvé de plus casse-bonbon que ça, que les dragons de glace. Puis même les mages, les cryomanciens et tout ça, c'est chiant possible. Et puis là, en plus, j'ai eu la tronac de feu qui m'a attaqué, j'ai eu tous les machins. Ça, c'est du corindon, ça? Filons de fer. Ah bah écoutez, tant qu'on est là, faisons-nous plaisir. Parce que du minerai, on va en avoir besoin. Attendez, hop, voilà, c'est bon.
Allez. Ah. Excuse-moi, renard, mais je vais absolument avoir besoin de toi. Voilà. J'ai besoin de ta peau. Je suis désolé, mon ami, mais... Alors, il y a le dragon qui est là. Nous, tout ce qu'on veut, c'est aller au Primarbor. Récolter un peu de sève. Et puis, ce sera tout, hein. La chèvre, tac. Voilà. Voilà, ça commence à être bon, là. Dragon, on va faire juste gaffe à ce que... Après, combattre un dragon, c'est pas le problème. Le problème, c'est se faire défoncer par le dragon si facile. Enfin, je me suis même pas fait défoncer par le dragon. Ça a vraiment été par ces foutus créomanciens, hein. Qui sont assez violents, mine de rien. Après, des âmes de dragon, ça va, j'en ai suffisamment pour le moment. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Je regarde s'il n'y a pas d'ingrédients. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis dans les environs. Ah, voilà, sanctuaire du Primarbor. Ben voilà, on va pouvoir continuer notre quête. On va enfin finir cette quête qu'on avait commencé il y a une vingtaine d'heures. Ah, je peux pas prendre le... Ouh, mais t'as plein de raisins, là, c'est cool. Prenons les ingrédients. Non. Allez, on est parti. Désolé, hein, parce que... fallait le temps que ça se mette en route. Franchement, ici, c'est un des plus bels endroits du jeu. Vous allez voir, mais... Je déconne pas, hein. C'est vraiment des endroits, moi, qui m'avait... Qui à l'époque, mais je m'étais fait... Waouh. La première fois que tu y as, tu fais... Waouh, c'est beau. Alors là, on verra si c'est encore plus beau, tiens. Bon, là, c'est vrai que c'est moche. C'est vrai que c'est très moche, mais bon. Voilà, là, ça commence à être sympa. Bon, c'est vrai que la grotte, on avait les trucs de la falaine, c'était tout aussi beau, mais... C'est sympa, hein. Bien le bonjour. Est-ce que vous venez profiter des merveilles de ce magnifique sanctuaire, comme moi? Il est remarquable, n'est-ce pas? Ouais. Exactement. Bien, gardez votre magie loin de moi. Non mais... Fais attention à ce que tu dis, toi, mon ami. Que Kinaret soit loué pour cette œuvre de toute beauté. Vous voici dans le sanctuaire du Primarbor. Ce n'est qu'un aperçu de ce que Kinaret peut offrir. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Ouais. Vous avez vu juste. Cela dit, personne n'a jamais pu s'en approcher. Comme vous pouvez le constater, les épaisses racines du Primarbor empêchent quiconque de s'approcher de son tronc. J'ai pourtant entendu parler d'une arme face à laquelle le Primarbor lui-même écarterait ses racines. Elle lui inspirerait une crainte réelle. Ok. Ces rumeurs disaient vrai. Je vous en supplie, n'abîmez pas cet arbre. Vous n'y gagneriez rien. Bah, si, quand même, ouais. Ah, mais il y a plein de petits bouquins qui sont. Ouh, bon, ça. Ah oui, non, c'est volé, donc on va éviter. Vous êtes à moi. Alors, c'est quoi? C'est parce que j'ai voulu voler, ça? Alors désolé, mais je voulais pas vous tuer, hein, honnêtement. Hein.
Mais vous vous mettez directement au travers du truc là. Non mais dis donc, c'est quoi cette histoire là? Ouais, tant que je suis là maintenant. Tant que je suis là. Surtout qu'il n'y a rien de bien en plus dans son sac de merde. Il y a vraiment rien de bien dans son sac là. Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute moi de son sac à la con? Alors, il faut que j'équipe Fleurtid. Ok, d'accord. Obligatoirement, c'est dommage, je pense. J'aurais pu mettre par exemple un petit truc, utiliser Fleurtid ou quoi pour garder ton arme. Voilà! C'est comme ça que ça se passe. Attendez, parce que. Hop. Mais c'est pas Arvac que je veux! C'est Atronach. Voilà comment ça se passe. Respecte-moi, nature. Coucou. Là, je le sens pas du tout ce coup là. C'est tout? Ok, voilà, donc on a récupéré un peu de sève, racine-nous, ça c'est bien. Y a-t-il autre chose à prendre ici? Voilà, tout ça on va récupérer. Tac tac. Ah, c'est pas beau ça, cet endroit comme ça là? Sans déconner. C'est pas beau? Je sais pas quelle heure il est, 4h du vieux. Avec une autre lumière, ça peut être plus sympa. Oula. C'est excité, là. Le machin s'est excité. On va regarder sur le soir ce que ça donne. Ah, c'est moins joli, hein. Et avec une lumière du matin? Ça peut être sympa avec une lumière matinale. Un peu plus matinal. Un tout petit peu plus matinal. Voilà. Ça, c'est bien mieux quand même, non? Un peu rougeâtre comme ça. Avec l'arbre. C'est superbe. Boum. Y a-t-il d'autres... Voilà. Ça, c'est bien. Récupérer tout ça. Tiens, en parlant... Hop. Voilà. Voilà. Merci bien. J'avais pas vu venir celui-là. Je suis sûr qu'on va avoir d'autres attaques, hein, mais... Saleté de truc. Oh, mais pourquoi ça la tue pas? Putain, mais t'as vu ce que je dois faire pour tuer ce machin? Armure légère? Mais je porte rien d'armure légère. Qu'est-ce que je porte en armure légère? Ah, Crozis. Ah, mais oui, oui. Ah bah oui, ça monte l'armure lourde. Ah, mais du coup, je suis pas en totale armure légère, alors. Attendez, il y a un truc qui me perturbe, là. Armure lourde. Où est-ce qu'il est, armure lourde? Bah, ça doit être là. Voilà. Compète, casque, plastron. Ah, mais du coup, j'ai pas les 25%. Ah!
Ah, donc du coup, il faudra mieux que je m'équipe avec autre chose que Crozis. Parce que là, du coup, Crozis, il me fait 20% plus pour l'archerie, le crochetage, l'alchimie. Le seul souci, c'est que du coup, c'est pas intéressant. Oui. Donc il faudrait que j'aille trouver un casque d'ébonite ou un casque d'armure lourde pour avoir. Parce que là, du coup, je suis. C'est pas. Ah, mais oui, voilà, je suis à 96 au lieu de 120. Ah ben, écoutez les amis, on va essayer de trouver un casque lourd. Essayer de mettre un pourcentage d'archerie. Oui, ben oui, évidemment, là, je suis en train de me faire niquer par Crozis. Crozis, d'accord, j'ai un pourcentage de 20% en plus d'archerie, mais c'est pas intéressant par rapport au reste. Écoutez, on va essayer d'aller à Blancherive. On va essayer d'aller à Blancherive, j'essaie d'améliorer un casque d'ébonite, on va essayer de l'enchanter. Ah oui, là je me fais avoir. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui était pas normal. Tu m'étonnes, j'ai perdu 30 points d'armure. 30 points d'armure juste avec l'armure, le plastron. Ah ouais, non, mais là ça va pas du tout. C'est pour ça que je me suis fait défoncer comme ça tout à l'heure, je trouvais pas ça normal. Mais oui. Attends, 30 points sur le plastron, 10 points sur chaque, je perds quasiment 80 points avec la totale. Non mais ça ne va pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Blancherive, on va aller rendre la quête là, tranquille. Ouais, je me suis fait avoir par Crozis, moi. Moi, j'étais persuadé, j'étais tranquillement dans mon esprit. Ouais, c'est cool, Crozis, mais non, c'est une armure légère. Donc non, ce n'est pas intéressant, en fait. Et ouais, alors est-ce que j'ai un casque d'ébonite? Est-ce que j'ai ça en stock? Je ne suis pas sûr, mais je crois que j'ai pas la paire que ensemble cohérente en tout cas. Je suis en train de me dire que. Bon, c'est pas grave, écoute, on va aller voir. Ah, bougre! Il a essayé de m'avoir. Alors, est-ce que j'aurais mis des gemmes spirituelles là-dedans, moi? Ah ouais, d'accord, ok. Parce que à tout prendre, ça va me faire beaucoup de poids, là. Ça me fait combien, là? 160... Ah ouais, non, il y avait pas tant que ça, en fait, dans le machin. Alors là, il y a combien de bouquins? Il y a 18 bouquins, en sachant qu'un bouquin, c'est combien? Un poids, donc ça fait 18, ça fait 80... Je suis à combien de poids? Ok, alors normalement, je vais pouvoir tout prendre. Voilà, donc on va vider au fur et à mesure. Les ingrédients là, hop, tout prendre. Voilà. Là, les bouquins, j'ai combien de poids là? 246, ok. Tout prendre. Y a quoi là-dedans? Voilà, y a beaucoup trop de trucs. Je pourrais pas tout prendre. Ah ouais, non, là, y a beaucoup trop de... Bon, on peut le laisser, de toute façon, ce sera ma maison quand même, mais... Ah, je crois que Lydia est débloquée. Ah bah oui, évidemment, puisque je l'ai emmenée à ma maison. Oh, mais oh, non, mais sans déconner. Oh, je suis à côté de mes pompes. Les armes ici, qu'est-ce qu'il y a comme arme là-dedans? L'épée d'ébonite, elle est pas mal. Hein. Tac, oui, il y a des armes encore pas trop mal. Hein. Ah, qu'est-ce que nordique gravé? J'avais fait l'armure nordique, donc ça, je vais le prendre. Ah, l'épée d'Archon, ça je vais prendre aussi parce que je vais la mettre à ma maison vu que j'avais fait le machin. Ok. Alors, est-ce que j'ai un casque d'ébonite? Je ne pense pas. Par contre, j'ai un casque d'Oemer, mais il irait pas du tout avec Falmer durci. Le casque d'ébonite n'irait pas du tout. Le casque d'Oemer n'irait pas du tout avec la tenue. Je vais quand même le prendre, dans le doute. Bot Falmer durci, ouais. Je ne crois pas avoir de casque d'ébonite. Hein. Je crois que j'en ai même jamais vu dans le jeu.
Non, ok. Va falloir qu'en fait que je monte la compétence forgeage, je suis à 60. Et les bonites c'est combien? C'est 80? Ouh là là. 20 niveaux de forge, ça va être énorme. Ça va être très très compliqué à faire. Mais j'ai un casque nordique, machin truc. Donc est-ce que je vais pouvoir peut-être améliorer le casque? Lingot de vif argent. Ok. Il me faudrait un Metal Dwemer. J'ai même pas de Metal Dwemer, c'est une blague. Pensez à surveiller. Alors qu'est-ce que ça donnerait avec le casque? Alors, tenue. Ciel. C'est méchamment bizarre. Ça va pas trop ensemble en plus. Mais par contre, du coup, là, je suis repassé en 120. C'est ça. Voilà, d'accord, ok. Et c'est pas beau du tout, en fait. Donc, il faudrait que je trouve un casque. Ne vous imaginez pas pouvoir négocier avec moi comme si j'étais un de ces fichus marchands. Ça se trouve, ils en vendent. J'ai combien d'argent? Oh, 200. Oh, mais la misère, quoi. Alors, attendez, on va aller vendre quelques trucs. Oh, là, mais c'est la bérésina. Depuis la maison, j'ai plus rien. C'est fini, je me suis ruiné, quoi. Tout le monde ici. J'ai une magnifique maison, mais j'ai plus aucune thune. Bon, un peu de tout. Alors, attendez, parce que... Je dois avoir quand même des trucs, des gemmes et des machins comme ça, non? Ah. Non, pas du tout. Je suis pas fou à ce point-là. Voilà. Voilà, on a refait un petit peu le plein. Je travaille pour Bellator. J'en ai rien à foutre. Tu me dis alors, mais rien à carrer, mon ami. Passez chez Bellator au marché. Rien à foutre. Mais rien à faire. Alors attendez, parce qu'on était toujours à la base sur le... Sur Fleurtide, là, pour soigner le Vermidor. Alors, regardez comment il est un peu tristounet, et puis après, normalement, il va être tout beau. Je crois... Est-ce qu'on avait déjà été dans le temple de Kinaret? Oui, si, on avait déjà été. Oh, c'est beau, hein. Tiens, ma grosse, viens ici. Enfin, ma grosse. Avez-vous trouvé la sève du Primarbor? Quelle bonne nouvelle. Elle me servira à guérir l'arbre. Merci de votre aide. Ta ta ta. Ah oui, magie de guérison. Je me ferai une joie de partager mon savoir avec vous. Ah, Aïef, plus de thunes. Que la grâce de Kinaret soit avec vous. Aïef, complètement ruiné. Ah, mais là, je suis littéralement mais bien ruiné. Il va falloir faire un petit... Oh, mais ça, c'est bien, coton sauvage et tout. Va falloir qu'on joue un petit peu, les amis. Parce que bon, là, la maison, c'était cool, mais... Alors, il va falloir attendre un petit peu avant qu'il se soigne. Smir, vous avez aidé à sauver le Vermidor. Eh ouais. Les mots me manquent pour vous dire combien cela compte pour notre ville. C'est super sympa, mec. Pour génial. Pour une fois qu'il y a vraiment vous quelqu'un qui me dit quelque chose de gentil. Et en tant qu'homme, tu as dit, laissez-moi vous montrer le pouvoir de Talos. On va aller monter un peu l'alchimie, parce que là, je suis en train de récolter plein de trucs. Il faut que je monte de niveau. J'en étais où? Oui, si, compagnon. Voilà, merci. J'avais perdu le fil. Je le fais pour vous, Légion Rouge, car je vous aime. Oui, l'amour. Alors lui, il part complètement en vrille, lui. Oh, je vous aime, Légion Rouge. Mais calme-toi, mec, c'est bon, on a compris. Depuis le début du jeu, tu nous rabats les oreilles avec ça. Alors, mon ami, aurais-tu... J'ai beaucoup d'acier à forger. Aurais-tu... Les dieux soient loués. Aurais-tu, par pur hasard, un casque... T'as un casque de verre? Sérieux? Ah, il a... Malheureusement, il a pas... Tiens, est-ce que j'ai les gantelets de loup, moi? Je ne suis pas sûr d'avoir les gantelets de loup. Bottes de loup, armure de loup, les gantelets. Je sais qu'on avait les bottes, mais est-ce qu'on avait casque de loup? Je suis même pas sûr. On avait le casque? Non. Hein. Alors attendez, on va lui vendre quelques trucs. Oh, putain, j'aurais jamais assez pour lui vendre des trucs. Ah, la poisse! Ah, la poisse! Il me faudrait que je trouve un vendeur.
Parce que j'ai pas le casque de loup et il irait bien en fait dans la... Vous savez que dans ma maison j'ai mis le truc. Oh, ça me fatigue tout ça depuis avoir du chou. C'est agréable de vous avoir là. Merci, c'est très gentil, mais ça me fatigue. Ça me fatigue depuis avoir rien du tout. Je vais peut-être aller pouvoir vendre à l'aubergiste. Il faut vraiment que je change de casque parce que ça va pas du tout. Le casque est très très moche. Ça va bien quand t'as une armure complète d'Oemer, mais là c'est pas beau quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Ou asseyez-vous près du feu si et vous êtes à la recherche si c'est du travail. Regardez donc. Est-ce que tu aurais par pur hasard. Ah putain, mais putain. Ah, ça craint. Elle prend que des ingrédients, ça fait chier ça. S'il vous faut autre chose, dites-le moi. Oui, mais ça craint. Ça craint parce que je ne peux rien vendre. J'ai plus de thunes, je suis pauvre. Il y a un conflit en bord de ciel. Pauvre. Que ne peut résoudre ni la magie. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Bah, je suis bien content de le savoir. Le travail est dur, mais la vie est belle. Bon, parlons de ça, toi, ma petite. Mais juste une pièce d'or, s'il vous plaît. Vraiment? Est-ce que vous avez une maison où je pourrais vivre? J'ai une maison, mais il n'y a pas de place pour toi. Oh, c'est dégueulasse. Oh non, la pauvre. Oh, comment je vais pouvoir me faire de la thune, moi? Va falloir que j'aille voler des trucs. Va falloir que j'aille tuer des gens. C'est moche comme histoire. Bon, ben merde, alors je voulais acheter le casque. C'est vraiment dommage, ça. Je suis à combien? Mais où est-ce que je pourrais vendre? Ah! Attendez, je vais peut-être pouvoir aller vendre à l'alchimiste mes potions. J'ai pas pensé à ça. Quelle heure il est? Ok, j'ai encore 2 heures. Si j'arrive à vendre mes potions à l'alchimiste... J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Fantastique. Faites-moi signe si vous avez des questions. Attends, je vais juste vendre vous des trucs. Vous avez l'air. Mes potions et ingrédients vous intéressent? Oui. Alors, potion. Tu as 500, c'est tout? Voilà, je vais pouvoir aller acheter le casque. S'il vous faut. Alors, ça, il n'y a aucune utilité à acheter le casque de loup, hein. Mais au moins, il ira bien avec ma statue. Voilà. Il n'y a aucun. Voilà. Alors, oh, dégage! Hop. Tiens, viens ici, toi. J'ai beaucoup d'acier à forger. Les dieux soient loués. Voilà. Tenue. Casque de loup. Voilà, parfait. Allez, hop, petite épée à la maison. Tranquillou. Oh, casque de loup, tranquillou. Oh, 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 petite blague. Petite blague pourrie. On va vider tout ça, on va ranger un peu nos trucs. On va garder les gemmes pour histoire de se faire un peu d'âme pour pouvoir monter la conjuration. On va monter un peu l'alchimie. On va mettre les gants parce qu'il me semble, je suis pas sûr d'avoir les gants, hein. Je me rappelais que j'avais les bottes de loup et l'armure de loup, mais est-ce que j'avais les gants? Mystère. Et pour... Ah, puis-je vous aider? Non, ça serait trop coquin pour toi. Ça serait trop coquin pour toi. Alors. Eh ben, je n'avais pas, bel et bien pas les gants. D'accord, c'est cool. Alors, tenue, botte d'écaille, casque de loup. Et gantelet de loup. Voilà, là, elle est complète l'armure. Ça, c'est top. Alors, j'avais aussi l'épée d'Archon. Je ne suis pas sûr que je puisse mettre une arme dessus. D'accord, ok. Il me faudrait un... Alors, normalement, logiquement. Voilà, épée d'Archon, elle est mise. Super. Alors, ce qui pourrait être sympa, ce serait de... d'ajouter à l'arc d'Auriel les flèches.
Alors. Ah ouais, non, c'est pourri comme idée. C'est pourri comme idée parce que t'en as, du coup, t'en as partout. Bon, ben non, on va les... il y en avait pas 4 à la base. Bon, ben il y en a une qui s'est barrée, on sait pas où est-ce qu'elle est. Ou j'en ai peut-être ramassé 4, j'en sais rien. Alors, il va falloir qu'on commence à tout trier. Alors, c'est fou, bibliothèque, j'étais persuadé. Est-ce que je peux encore mettre des bibliothèques ici, par exemple? Qu'est-ce que je peux mettre là? Grande étagère. Ah, ça, je peux le faire. Voilà. Hop. C'est fou, j'ai pas assez de bibliothèques dans ma baraque. Alors, il me semblait que j'avais autre chose à faire aussi. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est complet. Où est-ce que j'avais mis le casque? Ah, là, voilà. Je n'avais pas mis le casque. Voilà. Là, elle est complète. Ah bah voilà. Fantastique. Alors, j'avais un hôtel d'alchimie quelque part, moi. À l'entrée, non? C'est pas ça? Si, là, voilà. Ok, il n'y a pas un contenant ici? C'est dommage. Est-ce que j'ai un hôtel d'alchimie ailleurs que ça? Dans la réserve, non? D'accord. C'est fou, j'ai pas un hôtel d'alchimie ailleurs que là? C'est moche cette histoire. Et je vais mettre où mes ingrédients, moi, d'alchimie? Il y a des trucs là-dedans? Oh, mais... Oh, mais oui, mais il y a plein de choses là-dedans. Oh, mais il y a plein de choses là-dedans, dis donc. Putain, je savais pas qu'il y avait autant de trucs là-dedans, dis donc. Accessoires en acier et tout ça. Mais si ça se trouve, je pourrais finir tout ce que j'ai à finir. Si ça se trouve, j'ai de quoi faire en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Ah, les troncs! Oui, effectivement, oui. Ah merde, oui, effectivement, oui. J'ai oublié d'aller chercher des troncs. Bon, on ira faire ça dans la prochaine vidéo, y'a pas de soucis. J'aime fou, on s'en fout. Non, j'ai spirituel, je les garde. Lingot d'acier, oui. Lingot d'argent, j'ai pas de lingot de fer. C'est dommage. Quoique minerai de fer. Oh, si, je vais tout balancer. Et puis comme ça, j'aurai de la place. Ah, non, les parangons, je sais ce que je vais en faire. Alors, parangons. Je sais ce que je vais en faire, les parangons. Pourquoi j'ai trop... Ah. Parce que les parangons déjà pèsent lourd à la base. Pichet l'initié, on s'en fout. Ah, c'est le pire extrait qui me faisait chier. Ok. Alors, voyons ça. Attendez, parce que j'aimerais bien au moins bien les mettre. Je peux plus récupérer. Ah.
crois qu'en fait ça donne pas très bien. Je sais pas si je pourrais tous les mettre là-dedans. Ouais, non, ça va pas dedans, ok. Voilà. Tada, c'est très moche et on s'en fout. Ça fait combien de temps? Les amis, on va devoir se quitter ici, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Il faut vraiment que je change de casque. Bon, je vais garder celui-là en attendant. C'est pas très glorieux, je vous avoue. Ça va pas très très bien ensemble. Donc je vais vous dire à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, petit commentaire. On va essayer de se remettre un peu d'aplomb dans la prochaine vidéo, de retrouver un peu d'argent. Essayer de trouver de quoi faire, en fait, de crafter un peu aussi pour la forge. Essayer de pouvoir débloquer les armures d'ébonite. Voilà. Allez, à la prochaine tout le monde et salut.